Bonjour à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour une vidéo, aujourd'hui c'est pour un débrief vite fait de PSG-OM. Le match il n'est pas fini, hein. Je vais vous accompagner sur cette fin de match, voilà, parce que je vais dormir juste après je dors, parce que j'ai cours demain en fait. Voilà, et en fait bon, si vous entendez du bruit, c'est un live que je regarde, et je regarde en même temps le live streaming. Le PSG est en train de perdre 1-0 face à l'OM, l'OM est en train de gagner. Bon, hein, faut pas se fier aux apparences, il manque encore 5 minutes, vu qu'il a mis 6 minutes de temps additionnel, l'arbitre, on est à la première minute du temps additionnel. D'ailleurs, Strootman vient de se prendre un jaune, voilà. Alors, les Parisiens attaquent. Alors, le centre, bon, loupé, complètement, les Marseillais, là, ils ont installé le mur, donc voilà. Donc le Marseille qui est en train de faire tomber cette invincibilité du PSG de 9 ans, je crois, ouais, presque 9 ans. Ça faisait presque... Ça, attention! Ah! Oh, le PSG, ils ont failli égaliser. Ah, il est hors jeu, c'est ce qui me semblait. Kurzawa est hors jeu. Oui, c'était lui. Ouais, apparemment. Voilà. Tout simplement, les Parisiens qui essayent de pousser, mais ça n'arrive pas. Les Marseillais vont gagner ce match, à mon avis. Hein, c'est fini pour les Parisiens. Non, c'était pas Kurzawa, c'était Sarabia, je crois. Bah écoute, voilà, le PSG va perdre, normalement. Parce que là, je vois pas comment ils pourront percer le mur marseillais. Donc ouais, ça fait depuis le 27 novembre 2011 que... Ouais, il me semble, hein, 27 novembre 2011, hein, que le PSG n'avait plus perdu face à l'OM. Toute compétition confondue, tout stade confondu. Voilà, même en Coupe de France, même en Coupe de la Ligue, même en Coupe de mon cul sur la... Paris n'avait pas perdu face à l'OM depuis ce jour-là. Et aujourd'hui, 13 septembre 2020, le PSG est en train de perdre. Alors que PSG, 3 jours avant, a déjà perdu sur le même score face au RC Lens. Alors le PSG... Je vais pas parler de crise, non, je vais pas parler de crise, c'est le début, c'est pas une crise pour moi, voilà, il faut attendre encore plusieurs matchs pour voir. Je pense que clairement, contre Metz, ça devrait le faire après, va falloir passer à autre chose, même si je sais très bien que les Marseillais vont bien chambrer les Parisiens, si l'OM gagne, hein, parce que le match n'est pas fini, hein. Il manque 3 minutes d'un sacre marseillais, d'une victoire marseillaise, mais je dis un sacre quand même, tu vois, d'une victoire marseillaise. Voilà, tout simplement, qu'est-ce que je pense de ce match, ouais, le PSG a vraiment mal joué les coups, très clairement, tout simplement. Alors déjà, on va parler des buts. Il n'y aurait même pas dû avoir 1-0 pour l'OM, hein. Il y aurait dû avoir 2-0 pour l'OM, parce que vers l'heure de jeu, je crois, t'as Benedetto qui met un but, je crois que c'est Payet qui frappe, parade de Rico, après t'as une... Après, du coup, ça revient dans l'axe. Et t'as Benedetto qui surgit, qui met le but. Sauf qu'avant, il y avait une suspicion d'un hors-jeu de Thauvin, de Payet, je sais plus. Mais il n'était pas du tout hors-jeu. Hein, il était couvert par un défenseur parisien. Voilà. Très clairement, il était couvert. Donc, il aurait dû avoir 2-0 pour l'OM. Bon, il y avait aussi un but parisien juste avant. Mais Di Maria était clairement hors-jeu. Voilà. Il était clairement hors-jeu. Pour moi, les Marseillais ont été clairement meilleurs aujourd'hui. Alors en première période, ça se discute. En première période, ah, il est frustré. C'est Neymar, il est... Putain, il a poussé Gonzalez. Il est frustré, Neymar. Neymar, il est vénère. Voilà, tout simplement. Marseille qui va gagner. Ouais, ils sont en train de se... Ouais, regarde, ouais. Ils sont en train de se... Voilà, tout simplement, le PSG qui va perdre ce match. Ouais, bah, 1 minute 20, il manque. Bon, alors, j'ai juste à vous dire clairement que pour moi, Marseille a été meilleur aujourd'hui. Voilà, c'est clair et net. C'est clair. Le PSG a été meilleur. Le PSG a été pas merdique, mais pas vraiment très très bon. Et du coup, moi, je vais parler à ceux qui disaient jeudi contre Lens. Ouais, mais les Parisiens, ils n'avaient pas tout leur effectif.
Ou Paredes. Ou Kurzawa. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Wesh! Qu'est-ce qui se passe? Oh, arrête de bugger, toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tant que je reprenne le truc. Bon, écoute, je verrai pas la fin de match. Bon, attendez. Attendez, c'est juste un petit bug. Oh, bah, c'est fini, hein. Enfin, attends, j'ai pas vu la fin. Ça me fait chier, je ne verrai pas la fin. Bon, bah, le PSG a perdu. De toute façon, c'est en pleine bagarre. L'arbitre, il va siffler, il va mettre des. Il va mettre des cartons rouges. Attendez. Est-ce que j'ai raté la fin? Normalement, oui. Alors. Attendez. Bon, bah, le PSG a perdu. Ah! Carton rouge pour Benedetto. Carton rouge pour Benedetto. Voilà, c'est officiel. Il a pris un jaune, attends. Alors non, je n'ai pas la chaîne de téléfoot. C'est juste le site qui a bugué. J'ai dû aller sur Facebook pour trouver le. Ah, Paredes aussi. Ah, ça m'étonne, ça m'étonnait pas. Il a poussé. Ouais, Paredes aussi rouge. Ouais. Ça est complètement parti en cacahuète. Voilà, l'OM hein, qui a gagné. Voilà. Bravo à l'OM. Attends, c'est pas encore fini. Mais bon, il va siffler. De toute façon, le temps additionnel est passé. Et voilà. Attendez, j'attends. Attends, vidéo arbitrage. Ah, c'est Paredes qui a d'abord pété un câble, je crois, ou Benedetto qui avait fait peut-être une petite faute, je sais plus. Franchement, Bandanda. Ah, Neymar aussi, voilà, je l'ai dit, je l'ai dit, j'arrive, je l'ai dit, voilà, Neymar, carton rouge, voilà, deux cartes, trois cartons rouges dans le match, ou quatre, je sais plus, parce que j'ai raté un petit peu, il y en a trois, Benedetto, Neymar, Paredes, voilà, trois cartons rouges, est-ce qu'il y en a plus? Je n'en sais rien, je n'en sais rien, je suis arrivé, j'ai vu deux cartons jaunes pour Benedetto. Enfin, j'ai vu le deuxième carton jaune se mettre. Voilà. Et l'OM, bravo. L'OM qui va normalement gagner. Hein. C'est plus possible pour le PSG. Attendez, je reste quand même avec vous. Je vais vous quitter juste après. Je vais après, si l'OM gagne, normalement ça va être acté. Je donnerai un message de félicitations à. Attendez. Alors. Et voilà, Mandanda. Et voilà. C'est terminé. C'est terminé. Voilà, l'OM a gagné ce match 1 but à 0 avec un but de Florian Thauvin à la 31e minute, il me semble. Voilà, c'était super bien fait. Le but, franchement, il était super bien fait. Et plat du pied, Thauvin sur le poteau droit. Voilà, il met le but. Voilà, il trompe complètement Rico. Il trompe complètement la défense parisienne. Tout simplement, bravo, bravo Marseillais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. Bravo pour votre match. Vous avez vraiment été fort. Vous avez vraiment été bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut.